Montmartre je u poseti Skadarli. Dva boemska kvarta zajedno promovišu lep provod, muziku i prijateljstvo. Francuski tim predvodi predsjednik Republike Montmartre Alain Cocard, koji je i gost jutarnjeg programa. Dobro jutro. Šta je to što po vama povezuje dve boemske četvrti? Bonjour. C'est ces deux quartiers bohèmes, symboliques dans le monde entier, et Montmartre, avec ses artistes, ses créateurs, ses peintres, ses musiciens, a réussi à naître et à développer... Znači, Montmartre je uspeo da razvije sa piscima, ovim slikarima, pesnicima, da poveže... Et quand nous sommes arrivés à Skadarlia, nous avons trouvé une ambiance montmartroise. Quand nous sommes arrivés à Skadarlia, nous avons trouvé une très similaire atmosphère qui se trouve à Montmartre, très agréable et très sympathique. Mais les liens entre Montmartre et Skadarlia sont anciens. Ils remontent à 1977. Les liens sont anciens, ils datent de 1977. Et nous les avons déjà renouvelés il y a quelques années à Montmartre, où une délégation importante est venue nous rendre visite avec toute la belle ambiance de votre quartier bohème. Qui a donné une atmosphère de votre bohème quartier Skadarlije. Et qui sont les plus bohèmes, les Français ou les Serbes? Là, on n'est pas en compétition, je crois que nous sommes à égalité. Nous sommes quelque ne pouvons pas... Teška konkurencija, teška. La concurrence est difficile, mais quand j'ai vu hier au soir l'ambiance extraordinaire qui existe jednu fantastičnu atmosferu koja se nalazi u Beogradu, imali smo predstavljanje u kući Đuri Jakšića, ja to sada dodajem. C'était la fête, la joie, la musique. C'était la radost, muzika, veselje, svuda oko nas. Kako uspevate da sačuvate autentičnost vašeg umetničkog brda u Parizu, s obzirom na to da je jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija u vašem gradu? Oui, il y a 12 milijona turista koji vijeni čak jedan. U Francusku na Montmartre posećuju oko 12 milijona turista svake godine. Nous agissons pour défendre ce quartier. Nous nous trudimo da odbranimo ovaj kvart. Depuis 1921, od 1921. Godine kada je osnovana Republika Montmartre, défend ce site, a réussi notamment à maintenir, à créer des vignes de Montmartre. Mi smo uspeli da ovaj sačuvamo da kraj jedan u Montmartre gde smo gajimo lozu, vinovu lozu. Et à défendre les artistes, dont beaucoup sur la place du Tertre. Branimo također ove umetnike koji se na trgu Tertre, na poznatom trgu Tertre na Montmartre, također ima mnogo Srba među njima. Beaucoup d'artistes de la place du Tertre sont des Serbes. Ima. Nous défendons les artistes et également les enfants. C'était une des premières actions de nos fondateurs. Mi također branimo za decu, znači tu je bila Francis Pulbu, to je pesnik njihov, znači koji je osnovao jednu bolnicu za decu. Nije bilo ni bolnice, ni lečenja i oni brinu o deci. Sve vreme imamo prilike da gledamo i kadrove vaše divne četvrti u Parizu. Šta nam od vašeg programa i od ovog duha koji možemo da vidimo ovde nudite u Skadarli? Tradiciju, kuhinju? Nous offrons déjà toute tous ces échanges entre artistes, et surtout une grande fidélité à la belle histoire entre la France et la Serbie. J'ai tenu hier à déposer une gerbe de fleurs. Juče sam, pardon, odneo buket cveća na spomenik posvećen Francuskoj na Kalemegdanu. Devant le monument
que vous resterez à l'amitié ispred spomenika, to je spomenik koji se trenutno restauriše, ali naravno mi smo položili buket cveća u znak prijateljstva Srbije i Francuske. Et on me pose parfois la question. I često mi postavljaju pitanje. La Serbie est-elle dans l'Europe? Da li je Srbija u Evropi? En voulant parler de l'Union européenne. Naravno, misleći pritom na Evropsku uniju. Toute l'histoire et toute la géographie. Ali čitava istorija i geografija pokazuju da je crkva, da je Srbija u centru Evrope. Mi to znamo. Hvala vam mnogo na gostovanju u jutarnjem programu.